quelle est l'unité de capacité d'un fichier et quels sont les sous-multiples de bytes, les sous-multiples d'un octet. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est ça que vous venez développer ensemble avec aujourd'hui. Donc nous sommes Désiré Le Cadin. Donc nous portons une vidéo sur la technologie et la science. Donc dans ce décours ça qui n'a parlé aujourd'hui, c'est étape qui c'est initiation à la technologie et aux activités productives. Donc ou même qui dans les 8e, 7e année, partager vidéo ça c'est très important. Surtout ou même qui dans les 9e année qui pas le composé. Dans l'étape, c'est vraiment important, c'est plus qu'important. Ou même qui sont professeurs, même si ou sont étudiants en informatique, c'est très important pour capable de débattre ça. Voilà, parce que l'on parle de sous-multiples, c'est plus qu'important, surtout si on a informatique. Ok, nous partons. Donc, l'unité de capacité d'un fichier est le byte ou octet. En anglais, on dit byte, en français, on dit octet. Par exemple, c'est PPT unité dans informatique là qui est capable de convertir un fichier. Exemple, par exemple, soit créer un folder sur ordinateur et l'effet qu'on fait créer un folder, il pas gagne rien dans vide, ça veut dire folder ça unité capacité, capacité initiale, c'est un octet, on dit presque byte en anglais. Donc c'est ça le but. Un octet est un groupe de bits ou signaux électriques qui forment un caractère. Qui s'amdoum de octet, c'est un groupe de bits ou un ensemble de signaux électriques qui forment un caractère. Par exemple, les que par exemple ou gagnent byte, ça veut dire en quelque sorte ou gagnent caractère. Leur parler de yon octet ou gagnent caractère parce que c'est byte en anglais qui vient by octet en français. Donc c'est très important pour comprendre ça. Donc byte ou octet représente un caractère. Ou capable de yon caractère, sous par di yon caractère, ou capable de représenter yon signe. Par exemple, point d'exclamation, point d'interrogation, on prend la lettre A. Ça y est, c'est caractère qu'on s'est capable de dire, c'est un signe. Parler de un octet, de un byte, c'est un caractère. Donc, prenons par exemple le père. Le père. Alors, il y a L-E et puis père. Alors, qui y a l'op compté L-E, qui c'est 2, père qui y a 4, fichier en termes de poids. En termes de poids de capacité. Fichier ça. Donc, c'est 6 bytes. Donc, c'est 6 bytes. Ça fait 6 bytes. Baiser 6 bytes, c'est parce que c'est formé de 6 caractères. L'autre petit bagage qui gagne, c'est que puisque l'autre a écrit le père là, ou tu fais un espace là vient prendre un caractère tout. Il vient occuper un caractère. L'autre fait espace, ça veut dire il tout prend, ça me dit cadeau, espace, un byte ou un octet. Donc, comme nous connaissons déjà, un ordinateur langage, il n'est pas parlé tant que nous. Par exemple, on écrit A sur l'île, il ne comprend pas sous forme A, il comprend sous forme 0 et 1. Donc, c'est ça qui vient by bit. Donc, c'est ça qui vient by bit, c'est peut-être ça. Ordinateur là, il dit bit en anglais, on va parler de binary digit. C'est chiffre binaire en anglais. Donc ordinateur là il parle d'un langage binaire. Donc c'est ça qu'il comprend, qui c'est 0 et 1. L'homme était AB sur il pas comprendre sous forme AB, mais comprendre sous forme 0 et 1. Tout comme l'homme était une image, il pas comprendre sous forme une image, sans comprendre rien, il comprendre sous forme 0 et 1. Donc il convertit. Donc c'est langage ça sous forme des signaux électriques d'un groupe de bits li comprennent ni comme ça. Groupe de bits là par exemple pour une machine qui de bagam 8 bits by est égal pour par exemple sur une machine de bagam la besoin 8 bits pour former un caractère. Pour une machine de bagam il y a besoin 8 bits pour former un caractère. Tandis que pour une machine qui dans moyenne gamme. Par exemple, gamme plus ou moins moyenne, plus élevée en termes de performance, il a besoin de 16 bits. Donc, pour un ordinateur qui gamme performance est plus élevée, il a besoin de 32 à 64 bits pour
qu'il est capable de former leur caractère. Mais c'est très rapide, avec plus de vitesse. Maintenant, nous parlons dans les sous-multiples de bytes ou sous-multiples d'octets. Par exemple, nous parlons de bytes. De bytes, c'est pipiti, poids que un fichier capable de peser. Bon, par exemple, un folder, son ordinateur. Même si son téléphone, tout capable de faire un folder. Pour les gens qui ne pas trop comprendre, ils parlent de folder, ils parlent de dossier. On parle des dossiers, par exemple, dossier c'est folder c'est dossier. Donc, en dans un dossier, on est capable de faire des fichiers. Donc, fichier qui c'est à l'intérieur de un folder généralement qu'on y est. Par exemple, folder généralement est toujours en jaune. Ni sur un téléphone, ni sur un ordinateur. Généralement, est toujours en jaune. Donc, moi, je dis quoi, un folder est toujours, quoi initial, c'est toujours un octet ou un byte. Donc, nous allons faire conversion pour que vous puissiez aller sur multiple pour que vous puissiez comprendre bien. Mais nous voulons expliquer ce folder. Un folder, c'est un dossier en français. D'accord, un folder, c'est un dossier en français. Tandis que notre dossier, en dans un dossier, vous pouvez faire des fichiers. Vous comprenez? Donc, la sous-multiple de byte ou sous-multiple de octet. Nous dit byte ou moins, on dit moins octet. Nous dit byte ou octet. Par exemple, byte c'est plus petit unité, mais nous connaissons un kilobyte, un mégabyte, et puis un gigabyte, comme ça tout, un terabyte, un paquet d'autres encore qui n'est pas privé dans vous. On va privé dans vous, un paquet byte, un paquet d'autres bagages encore qui n'est pas privé dans vous. Ok, un kilobyte est égal à 1024 bytes. Un kilobyte est égal à 1024 bytes. Nous avons deux bytes là, c'est octet. Quand ça me tourne, nous avons un kilo octet est égal à 1024 octet. Pour qu'on comprenne bien. Donc, co, c'est symbolique qui c'est kilo octet. Quand ça, on a dit KB qui c'est kilobyte. Pour qu'on comprenne. Un kilobyte est égal à 1024 bytes ou 1024 octet. Pour qu'on comprenne. Constatons pour un mégabyte, la bête égale à 1024 kilobytes, ou du moins mégaoctets, ou du mégabyte, mégaoctets, un mégaoctet ou un mégabyte est égal à 1024 kilobytes ou kilooctets. Sous-rivez sur un ordinateur où elle est exprimée en mégaoctets ou en gigaoctets. On est système ordinateur ça en français tout comme pour un téléphone sous jeune ici ego 24 go du moins 64 go ou a c'est gigaoctet ça dit en français si le en anglais ou ta quoi c'est gigabyte pour comprendre très bien ça m'a dit par exemple on gagne 1024 mégabytes ou 1024 octet mégaoctet 1024 mégaoctet est égal avec un gigaoctet. Par exemple, d'un côté, tout le monde accepte 1000 mégabytes pour un gigaoctet. On a payé accepter pour ça comme conversion. Mais pour qu'on comprenne, parce que je viens de parler de sous-multiples de bytes ou sous-multiples, tout est venu parler de limiter les capacités de fichiers, etc. Donc, moi, je souhaite que vous compreniez la vidéo, ça, donc si vous voulez écouter, bon, c'est pas si c'est un plaisir que vous êtes capable de parler de ça. Un dernier rappel, c'est que vous avez dit comme ça dans la vidéo, l'unité des capacités d'un fichier, c'est le byte, ou octet, c'est PPT. C'est PPT capacité, c'est PPT poids qui est un fichier, ou dis-moi si un folder capable de peser sur l'ordinateur, octet. Capable 24, 30, 45, 50 ou 300 octets, 1300 octets. Mais là, par exemple, dans 1024, laisse ça ou pas la kilobyte. Dépendant, par exemple, plusieurs milliers de kilobytes, là, il y a 1024 kilobytes, laisse ça ou commencer dans mégabytes. Dépendant, 1024 mégabytes, laisse ça ou commencer dans gigabytes. Comme ça tout, l'on 1024 gigabytes ou gigaoctets ou quoi la terabyte ou teraoctets pour qu'on comprenne. Donc, dans ce sens, sous ta fond conversion, sous 4000 mégabytes, combien gigabytes la bête égale? On te réfléchit. A bien la bête égale 4 gigabytes.
même si tu as 27 000 kilobytes, si tu as dans le sens 1000 kilobytes pour 1 mégabyte, tu as 25 mégabytes. Si tu as 27 000 kilobytes, ça est égal à 25 mégabytes. Pour qu'on comprenne. Même si tu as 25 000 mégabytes, ça est égal à 25 gigabytes. Si tu apprends, si tu apprends 1 gigabyte est égal à 1000 mégabytes. Parce qu'il y a un pays qui considère comme ça. Le système baron, on parle de 1024 mégabytes et gigabytes. Donc c'est ça qui sous-multiple, qui se sous-multiple de mailles ou sous-multiple de terre. Donc c'est ça que tu as parlé de jeudi. Donc c'est ton plaisir. Moi, je veux partager, abonner avec une vidéo. Parce que c'est très important pour qu'on puisse comprendre que le langage du ordinateur par ici, le langage binaire, langage binaire, on parle de bits qui c'est 0 et 1, qui c'est binaire là, c'est-à-dire qu'il faut mettre deux chiffres qui c'est 0 et 1. Vous devez comprendre ça. Ordinateur pas comprendre A, pas comprendre et C, il pas comprendre B, mais il comprend seulement et des signaux électriques, des bits qui forment des 0 et 1. Donc c'est ça qu'il comprend. Même si on mettait un film, il convertit en un paquet de piles 0 et 1. Donc c'est ça qui va être le langage binaire. Donc bit là, c'est en anglais c'est binary digit, qui c'est chiffre binaire en français. Donc c'est rappel ça t'a bien pour faire pour vous dans la vidéo. Donc ça me dit, un kilobyte est égal à 1024 bytes. Donc pour l'audio, c'est la même chose. Donc l'autre semaine, on a parlé de code ASCII2 ou dis-moi code ASCII qui c'est ASKI. Donc on a parlé de ça dans l'autre vidéo. Merci tout le monde, c'est un plaisir. Partagez, abonnez, supportez, encouragez, commentez. C'était Désir le Cadet qui pour une belle vidéo ça pour vous. Donc moi t'es content de faire que vous t'es plaisir. Donc regardez vidéo ça. Donc merci à vous.